Yo, nouvelle vidéo pour vous présenter des petites astuces pour avoir un meilleur son de micro, que ce soit, peu importe votre micro, que c'est un micro casque ou un micro tout court, ça va améliorer votre son, c'est sûr. Vraiment, tout le monde est censé savoir faire ça, donc on va aller très vite. Vous allez ouvrir votre panneau de configuration, vous allez dans matériel et audio, vous allez dans son. Alors moi, j'ai un avantage comparé à peut-être d'autres, que j'ai une carte graphique RTX, du coup j'ai Nvidia Broadcast. Il y a une alternative pour ceux qui ont des cartes graphiques Nvidia mais qui n'ont pas des RTX, je crois que c'est RTX Voice, c'est similaire. Vous allez juste le télécharger, je vous mettrai les liens en description. Nvidia Broadcast, du coup, c'est ceux pour qui ont des cartes graphiques RTX et RTX Voice, c'est pour ceux qui n'ont pas de RTX. Donc, genre une 1060, une 1070, etc., etc. On aura tous la même chose, vous mettez le nom de votre micro et ici, vous cochez bien suppression de bruit, vous mettez l'intensité au maximum et sur RTX Voice, ça sera à peu près la même interface et à peu près les mêmes options. Et ensuite, on peut fermer ça à tout jamais, il s'ouvrira toujours au démarrage, il sera toujours là. Et donc ici, pensez bien à désactiver tout ce que vous n'avez pas besoin. Donc moi, j'ai activé que mon casque parce que j'ai besoin que de mon casque. Donc à partir ici qu'avancé, vous mettez au maximum, vous décochez le mode exclusif. Et si jamais vous avez des améliorations audio, vous les décochez. Là, vous faites désactiver toutes les améliorations. Vous faites appliquer, oui, ok. Vous désactivez tout, sauf votre micro et potentiellement le logiciel que vous utilisez, donc Nvidia Broadcast ou RTX Voice. Alors, du coup, on va tout d'abord aller dans votre micro. Moi, je mets 95 parce que mon micro, il est un poil trop fort quand il a 100. Vous vous mettez à 100 et si jamais vous avez une ampli ici, parce que parfois il y a de l'ampli, vous mettez l'ampli à 0, ici vous mettez 100. Et si vraiment c'est toujours trop fort, vous descendez à 95 comme moi et normalement ce sera nickel. On peut faire OK. Et pareil, s'il y a des options d'amélioration audio, là vous faites désactiver, pour cocher bien désactiver toutes les améliorations, vous faites appliquer OK. Et dans votre Nvidia Broadcast ou RTX Voice. Ici, vous désactivez aussi les améliorations s'il y en a. Et dans niveau, vous laissez 100. Et ici, vous laissez. Bah, de toute façon, vous pouvez modifier. Ce sera 48 000. Et ici, on décoche bien le mode exclusif. Vous faites appliquer OK. OK. Et GG, vous avez un meilleur son de micro. C'est ultra rapide. Sur OBS, vous regardez le tuto précédent. Ça vous montre comment enlever la suppression de bruit sur OBS. Et après, sur toutes les applications où vous allez devoir parler, donc Mumble, TeamSpeak, Discord, etc., vous avez toujours une option aussi. Pensez bien à mettre d'ailleurs votre micro en favori. Du coup, moi j'utilise Nvidia Broadcast, du coup je le mets en par défaut les deux. Si jamais vous utilisez RTX Voice, du coup bah, vous laissez RTX Voice dans les deux, dans par défaut et communication par défaut. Et si jamais vous n'avez pas l'un des deux logiciels et que vous faites juste le tuto sans RTX Voice ni Nvidia Broadcast, vous mettez bien votre micro en par défaut et en communication par défaut. Et donc ici vous le mettez bien, donc moi je mets Nvidia Broadcast et dans les trucs là comme ça, normalement c'est toujours en mode ça détermine tout seul la sensibilité de l'audio. Vous mettez bien en manuel et vous testez votre voix tout simplement. Donc, bon, moi je la mets à 50 dB parce que normalement je rapproche un peu plus mon micro sur Discord. Vous, faut pas que. Faut que vous, qu'on vous entende tout simplement. Que ça soit dans la barre du verre, mais que quand vous cliquez ou autre, on n'entende pas. Et un peu plus bas, vous avez toujours une option suppression de bruit. Donc ici elle est là. Vous la cochez tout le temps. TeamSpeak a aussi une suppression de bruit. Sur Mumble, il me semble qu'il y a aussi une suppression de bruit. Comme j'ai dit, sur OBS, il y a aussi une suppression de bruit. Bref, sur à peu près tous les trucs où on peut parler, en VOC, une suppression de bruit, vous l'activez. Et normalement, GG, vous avez amélioré le son de votre micro. C'était ultra rapide et ultra simple. Voilà, Chopin Steamer, j'espère que ça vous aura aidé.